Théma, c'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule, OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capri, Radian Ismail, le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu peux pas, mon pote, et bien Chopin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. C'est moi, original, inoubliable. D'où j'arrive et c'est inévitable, hein, ma gueule. The one give a fuck, moi, de l'endemain. Le coco, ta broche, armé, sabot, ça coupe par pain, de crosse et de crasse. J'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une fucking nucléaire à la MP11 les gars. Comme vous avez pu le voir, un petit spoilage au début. Petite tentative, j'ai commencé au petit pistolet mais après ça m'a gonflé. J'ai changé d'arme, de suite la MP11 et je vais enchaîner une fucking série. Une belle série de, je sais plus combien de gun streak, je me rappelle plus exactement. Ah non, mais oui, parce que je fais les 30 et en fait j'essaye de faire la double. Je me rappelle de ce gameplay, ça y est. J'essaye de faire la double et après je vais faire une série de 10 et une série de 15. Donc on va pas dire que c'est un double fail, c'est une simple DNA et après une tentative mais qui a vraiment fail quoi, on va dire. Donc les gars, aujourd'hui comme vous pouvez le voir, Tonton il est super heureux. Bon, en même temps vous allez me dire, Tonton il a toujours la patate, il a toujours la banane, mais aujourd'hui il a la triple banane, il a la cargaison de banane qui est, voilà, qui est arrivée chez lui. Et voilà, je suis remonté pour un bon moment là parce que franchement vous m'avez fait énormément plaisir. Vous allez dire, je vais pas parler des dons, tout ça, vu toute la vidéo. Je vais parler d'abord, de faire un petit remerciement, je vais un petit peu expliquer ce que j'ai eu. D'abord je vais parler vite fait du gameplay les gars. Alors la MP11 c'est une arme qui est pas trop vue sur le multijoueur. Et ben je peux vous garantir que c'est une bonne arme. Moi je la kiffe perso. J'ai pas la MP11 Goliath, mais je peux vous garantir que la MP11 Goliath, si vous la débloquez dans un colis, pensez à Tonton les gars, prenez-la. C'est une boucherie. La MP11 Goliath devant une Obsidian ou une AK-12 RIP, vous n'avez pas le froc qui se baisse. Vous pouvez envoyer de la pastos. Vous défoncez du man à 10 mètres, vous défoncez n'importe qui avec une MP11 Goliath. Elle a plus 3 de dégâts d'origine. Donc franchement, voilà, vous y rajoutez un chargeur grande cap, une poignée, un canon long. C'est une boucherie pour les plus violents, pour les plus agressifs d'entre vous. Vous mettez un tir rapide dessus, c'est encore... C'est pas une boucherie, c'est un charnier le truc, tu vois le truc. C'est... Bon, bref, j'aimerais trop l'avoir. Sinon, la MP11, là, que je vous présente le gameplay, c'est avec un chargeur grande capacité. Poignée avant pour une meilleure précision et canon long pour avoir, enfin canon rainuré pour avoir une meilleure portée. C'est une arme honnêtement à longue portée, c'est très dur de fraguer, mais si vous aimez bien rentrer dans le contact, genre mode rusher, bat les couilles de mourir, c'est une arme vraiment efficace pour rentrer sur les spawns et vraiment elle fait mal, redoutable à bout portant. D'ailleurs dans ce gameplay il y avait un gars qui jouait pas, il y avait un FK, ouais. Bon, j'en ai profité, hein, on va pas ne pas le tuer parce qu'il ne joue pas. Voilà, sinon on va passer au remerciement et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai eu. Franchement, j'ai été vraiment surpris. Je savais que j'allais avoir quand même quelques dons et tout, mais alors il y en a certaines personnes qui m'ont énormément surpris. En fait, je suis rentré le soir tard, je regarde mon Facebook et j'ai carrément un abonné à moi. Il n'a pas voulu que je dise son nom, donc je dirais son blaze, c'est Killer93400. Donc c'est un Parisien qui a fait un super cadeau au Marseillais, c'était pour la petite histoire. Non, je l'ai taquiné parce que je l'ai eu au téléphone et franchement j'ai fait des gros remerciements. C'était un mec de 32 ans et voilà, ça m'a fait plaisir parce qu'il m'a dit franchement Tonton, balle, parce que je lui ai dit mais t'es un fou. Il m'a envoyé en fait une image, une photo, un message privé sur Facebook. Il m'avait acheté un Micromania, un ticket en fait avec le Season Pass quoi, le code pour le Season Pass. Donc il m'a carrément directement acheté le season pass mais complet quoi, tu vois, moi j'en demandais pas autant. Je me suis dit bah si tout le monde met un petit peu 1€, même 50 centimes, même 10 centimes, je veux dire avec tout le monde qui va y avoir, ça, le season pass va se régler en 2-2. Alors lui il m'a carrément fait une surprise de niquer, il m'a carrément payé le season pass. Je l'ai appelé, je lui ai dit mais t'es fou mec, 50€ c'est de l'argent quand même, tu vois, c'est trop. Et il m'a dit Tonton, bah les couilles, moi tu me fais plaisir, quand je vois tes vidéos, il y a de la bonne humeur, ça fait longtemps que je te suis et je suis jamais déçu, enfin en gros, il m'a dit, pour moi tu mérites par rapport au nombre de vidéos que j'ai regardées et c'est la moindre des choses. Et il m'a dit, moi j'en suis, enfin en gros il m'a dit, j'en suis fier de te payer le season pass et arrête de te plaindre quoi, je te le fais cadeau, ça me fait plaisir quoi. Donc franchement, Killer93400, merci beaucoup. C'est un mec qui aime bien le zombie, donc j'y ai dit, oh, pourquoi pas. On fera peut-être une vidéo zombie avec lui, parce que ouais, c'est quand même lui qui m'a payé, c'est pas... Malgré que tout le monde ait participé, attention, je dis pas qu'il n'y a que lui, il y a tout le monde, mais...
Voilà, et comme il aime le zombie, que moi je suis vraiment un naze en zombie, je me suis dit, bon, pourquoi pas, tu vois, un mix quoi, Marseillais, Parisien sur Skype, du zombie, on va peut-être rigoler et tout, il a l'air sympa le mec en plus. Donc voilà, peut-être que je proposerai du zombie prochainement avec lui. Sinon, je dédicace aussi Air Nova, ça y sera pourquoi. Après, j'ai des petits noms, je vais dire vite fait des petits noms, Stéphane Bastide, Romain Bouton, Nicolas Carton, Thomas Durigneux. Badré Rudy, Simon de la Oliveira, Lino Derin qui m'a envoyé des points PSN, Alexandre Dagenet du Canada, gros, il m'a envoyé sur PayPal un virement, c'était de l'argent du Canada, j'ai rien compris, mais bon, ça va se transférer en euros. Voilà, ça fait, c'est un truc de ouf, les gars, du Canada, gros. Il y a déjà du Canada qui m'a envoyé des sous, je sais pas si tu réalises, c'est un truc de ouf. Maxime, je voulais remercier Maxime Joachim qui voulait m'envoyer le GTA, mais c'était sur 360. Et je n'ai pas la 360, donc ça a été gentil pour sa part, parce que franchement, même si vous m'envoyez des jeux, moi ça me plaît aussi. Je m'en fous d'argent, moi c'est juste de gamer. Donc franchement, là je suis pas mal, je suis presque à. En comptant les 50€ de Season Pass de Killer 93400. Plus les 30€ du premier de Léo qui m'avait donné aussi, et après tous les petits 5€, 10€, 2€ que tout le monde m'a donné, j'en suis à presque 100€ au total en comptant les season pass et tout. Donc je suis super fier, j'ai téléchargé le season pass, les gars, sur mon compte principal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que prochainement, je sais pas si ça vous fera plaisir, dites-moi le dans la vidéo, ça m'intéresserait de voir un peu vos commentaires. Avec les sous qui restent, je compterai, parce que bien évidemment c'est pas les sous que je vais garder pour moi pour aller claquer dehors ou aller sortir en boîte ou quoi, vous savez, c'est des jeux que je vais consacrer, enfin des sous ou des points PSN que je vais consacrer à ma chaîne YouTube et à mon plaisir, on va dire, personnel, un petit peu de gamer. Je compte acheter, j'ai vu qu'en fin février il sort le nouveau Battlefield, la version flic et gangster, je sais pas quoi. Mais je me suis dit pourquoi pas faire quelques vidéos dessus. GTA, on va peut-être me le prêter, un ami à moi va peut-être me le prêter, donc ou après au pire s'il y a quelqu'un qui veut s'en séparer. Mais voilà, je pense prochainement vous. Déjà, mettez-moi. Ouais, c'est ça, j'ai deux petites questions à vous poser. La première, c'est est-ce que ça vous intéresserait de me voir sur Battlefield? S'il y en a un qui a Battlefield 4 par hasard qui s'en sert plus sur PS4, je suis preneur, parce que je suis fan un peu de Battlefield quand même, malgré que je suis un pro Call of Duty, enfin quand je dis pro fan Call of Duty, que je m'amuse à jouer à Call of Duty, ça me plaît. J'aime bien ce petit côté Battlefield, surtout au sniper sur Battlefield, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais je gère pas mal sur... je suis vraiment un bon sniper sur Battlefield, vraiment en mode sniper quoi. Et... voilà, donc est-ce que ça vous plairait de voir le nouveau jeu en février? Parce que là, je mets des sous de côté. Et au pire, je le prends direct, le nouveau Battlefield. Aussi, j'ai fait une DNA au TAC-19, ou je sais plus comment il s'appelle, le fusil à pompe là. Bref, dans la prochaine DNA que je vais mettre, sûrement la semaine prochaine, est-ce que vous voulez voir l'ARX? Mais bon, l'ARX sur la même map, donc je me suis dit, peut-être deux fois même la même map, c'est pas très cool. Donc est-ce que vous voulez voir la DNA aux pompes? Dites-moi le oui ou non, ou alors une DNA à l'IMR ou à l'HBA 3, ou... J'ai d'autres gameplays qui sont pas mal quand même, donc mais si vous voulez que je vous mette la DNA au fusil à pompe la semaine prochaine, mettez-moi dans les commentaires, et n'oubliez pas, mettez-moi aussi dans les commentaires les gars, si vous voulez me voir sur le prochain Battlefield, c'est très important pour moi, parce que bon, moi franchement j'ai envie de l'acheter pour m'amuser moi, tu vois, mais comme vous avez participé, et aussi je voulais tenir à dire, que c'est pas parce que des gens n'ont pas participé que je ne les remercie pas, parce qu'il y en a plein qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit tonton, tu sais, on est jeune, on n'a pas de code PayPal, on n'a pas de sous, ça, mais je suis complètement d'accord avec vous les gars, je suis pas là pour payer tout le monde. Moi j'ai dit, c'est ceux qui veulent donner qui donnent, après je ne vous en veux pas. Et pour moi, comme j'ai toujours dit, le plus important les gars, c'est que vous soyez là sur mes vidéos, c'est tout ce qui est, c'est ma récompense personnelle. Après, ceux qui ont donné, c'est une récompense plus, tu vois, c'est un truc pour m'aider, pour ma chaîne, et ça m'a vraiment fait plaisir les messages qu'on m'avait envoyés, même ceux qui n'ont pas mis et tout, ils m'ont envoyé des messages qui étaient touchants, tu vois, limite j'étais presque touché un peu mal, tu vois, parce que les gars ils s'excusaient de pas pouvoir me donner, vous êtes fous les gars, je vous ai jamais dit de me donner, vous me donnez pas, c'est pas grave, c'est pas pour ça que je vais pas vous aimer, ça n'a rien à voir. Voilà, donc bref, je voulais vous dire en gros que
ne vous excusez pas, vous êtes jeune, vous n'avez pas d'argent, mais c'est tout à fait normal, gros. Garde tes sous pour les études, pour tes sorties entre potes, il n'y a aucun souci. Comme j'ai dit, ceux qui peuvent, ils peuvent, ceux qui peuvent pas, ils ne peuvent pas. Il n'y a aucun problème. Mais je tenais quand même à remercier même ceux qui n'ont pas pu mettre, parce que voilà, vous faites partie de ma chaîne et vous faites partie du global de tout le monde. Donc voilà, un dernier remerciement à tout le monde, les gars, vraiment, vous m'avez fait énormément plaisir. Sur ce, je vais chercher ma fille, je suis à la bourre, je vais chercher ma fille. Enfin là, je fais comment t'arrives vendredi, vous aurez la vidéo samedi. Mais je vais passer un week-end avec ma fille, super content, m'a mis la patate, je suis super heureux. Et sur ce, je vous dis vraiment d'aller faire un tour sur les vidéos précédentes. N'oubliez pas de liker cette vidéo, parce qu'elle est pas mal quand même, tu NP11 à la rush. Sur ce, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, un bon week-end à tous. Et ciao les gars.